Alors, en repartant des besoins auxquels répondent en général l'intelligence, il est intéressant de se concentrer sur les besoins auxquels répondent les intelligences artificielles. Elles répondent avant tout à des besoins humains. Et de ce point de vue-là, finalement, les intelligences artificielles ne répondent absolument pas à des besoins qui leur seraient propres. Dans les représentations générales qu'on se fait des intelligences artificielles, on peut projeter une forme d'intentionnalité à ces intelligences artificielles et se dire qu'un jour ou l'autre, elles deviendront conscientes d'elles-mêmes. Pourtant, et regarder de plus près, les intelligences artificielles qui sont absolument créées par les êtres humains répondent à des besoins typiquement humains. Et d'ailleurs, depuis l'origine même des intelligences artificielles ou de l'intelligence artificielle, il était question de simuler l'intelligence humaine ou animale et non pas de créer une intelligence autonome qui pourrait un jour devenir consciente d'elle-même. Les théories et les applications concernant les intelligences artificielles permettent à la fois de comprendre notre propre fonctionnement cognitif, que ce soit chez les êtres humains et chez les animaux. Mais ces travaux sur l'intelligence artificielle permettent aussi de résoudre des problèmes techniques, des problèmes scientifiques, des problèmes économiques. Les intelligences artificielles sont multiples tant dans leur support, c'est-à-dire on les retrouve dans des ordinateurs ou des robots, que dans leurs fonctions. Mais contrairement aux intelligences biologiques complexes qu'on peut retrouver chez certains animaux et chez les humains, les intelligences artificielles sont ce qu'on appelle des intelligences spécifiques. C'est-à-dire que du point de vue cognitif, elles ont des capacités très spécifiques, comme retrouver un restaurant grâce à la géolocalisation ou compiler des tonnes de données et fonctionner sur le mode du deep learning. Et pour autant, ces intelligences artificielles sont distinctes de ce point de vue-là des intelligences biologiques qui sont des intelligences générales. C'est-à-dire qu'elles fonctionnent sur la base d'un organisme biologique complexe qui a diverses ramifications et qui est le fruit de l'évolution des espèces. Tandis que les intelligences artificielles sont entièrement orchestrées, organisées et décidées par les êtres humains et en vue de répondre à des besoins spécifiquement humains. Finalement, les intelligences artificielles permettent d'accomplir des prouesses technologiques et cognitives incroyables, des prouesses que les êtres humains ne seraient absolument pas en mesure d'accomplir. Le fait que les intelligences artificielles soient très puissantes, permettent de calculer très vite et aient des capacités à compiler un nombre d'informations assez incroyables, ne font pas d'elles de potentiels êtres conscients. En d'autres termes, on peut tout à fait être stupide et avoir le privilège d'appartenir à la communauté des êtres conscients d'eux-mêmes. Et de l'autre côté, il faut savoir que les intelligences artificielles, bien qu'elles soient surpuissantes, n'auront peut-être jamais le privilège d'être conscientes d'elles-mêmes. De ce point de vue, dans l'absolu, l'intelligence n'est pas forcément corrélée avec la conscience de soi-même. Alors certains pensent en revanche qu'à un certain niveau de complexité technologique, la conscience pourrait émerger chez les machines intelligentes. Il s'agit de la fameuse théorie de la singularité technologique. Mais la création ex nihilo d'une conscience artificielle en dehors du biologique semble pour l'instant très compliquée, voire impossible. Alors on pourrait rétorquer à ça qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Mais ce qu'on peut affirmer de façon certaine pour l'instant, c'est que l'intelligence, et notamment les intelligences artificielles, n'ont pas besoin de substrat biologique pour exister, pour être efficiente, pour être puissante. En revanche, et pour l'instant en tout cas, la conscience a besoin d'un substrat biologique pour exister et pour émerger.